Peu d'objets possèdent un pouvoir de fascination aussi fort que le livre. Un livre, c'est une sorte de creuset mystérieux, une liasse de feuilles recouvertes de signes, en apparence, où des pattes de mouches noires s'alignent lugubrement. Certains livres frappent par leur petitesse. D'autres, au contraire, offrent au regard une pesanteur et une taille démesurée. Tous ont cette particularité d'être des microcosmes. Ouvrir un livre, c'est entamer un voyage au cœur de terres sauvages, c'est sillonner un espace encore inconnu pour nous. N'avez-vous jamais remarqué qu'un livre est un objet curieux ? Nous sommes habitués à en consulter tous les jours, même ceux qui prétendent ne pas lire. Si je vous montre ceci, vous verrez un objet familier et vous me direz, c'est un livre. Et pourtant, faisons ensemble un petit jeu. Si je vous montre ceci, vous serez d'accord pour dire que c'est un livre. Si je vous propose également de regarder ça, vous n'aurez aucun mal à me dire, c'est un livre. Mais si je vous montre cela, est-ce que vous appelleriez ça un livre ? Peut-être plutôt une bande dessinée. Et si je vous montre ça ? Ou encore ça ? C'est là que les choses deviennent intéressantes. On pense tous pouvoir dire facilement ce qu'est un livre, mais quand on creuse un peu la question et qu'on essaie de le définir précisément, c'est là que les choses deviennent très coriaces. C'est précisément de ce problème-là dont j'aimerais vous parler dans cet épisode. Je vous propose d'explorer ensemble la richesse du mot « livre », du concept auquel il renvoie et les différentes formes qu'il a pu prendre. Le livre est fascinant. C'est un objet si familier et pourtant si insaisissable. Si je vous pose la question « qu'est-ce qu'un livre ?», vous me répondriez très sûrement cet objet qui possède des pages que l'on tourne, un texte et un auteur. Or, nous allons voir que tous ces points peuvent être remis en cause et discutés. Je ne veux pas nécessairement dans cette vidéo apporter de réponse définitive à la question « qu'est-ce qu'un livre ?», je veux simplement questionner et vous montrer l'originalité d'un objet, le livre, qui possède une richesse philosophique assez stupéfiante. Car le livre, comme le dit très joliment l'auteur Dany Laferrière, est certes plus complexe qu'un ordinateur, et pourtant, il est aussi simple à ouvrir qu'un ciel d'été. Le 19 novembre 1964, l'UNESCO, à savoir cette organisation internationale dont l'une des missions est la diffusion du savoir, de l'éducation et des connaissances, a publié une liste de recommandations à propos de l'édition des livres. Dans ces recommandations, on trouve justement une définition de ce qu'est un livre. Un livre est une publication non périodique imprimée comptant au moins 49 pages, pages de couverture non comprises, éditée dans le pays et offerte au public. Cette définition, assez précise, est intéressante sur bien des aspects. Elle postule par exemple qu'un livre est une publication non périodique, c'est-à-dire qu'elle s'oppose en théorie aux journaux qui, eux, paraissent tous les jours, tous les mois ou encore toutes les semaines. On peut noter que la définition de l'UNESCO inscrit surtout dans sa définition un nombre de pages, à savoir 49 ou plus. C'est une manière d'opposer le livre à d'autres formats, comme la brochure par exemple. D'ailleurs, juste après, une brochure est définie comme un texte de 5 à 48 pages. Enfin, cette définition indique deux dernières choses. La première, c'est qu'un livre doit être imprimé, c'est-à-dire préparé et reproduit grâce à des appareils mécaniques qui produisent une série d'exemplaires identiques. La deuxième, c'est qu'un livre doit être public, c'est-à-dire diffusé hors de la sphère privée, et donc, a priori, d'après cette définition, une lettre ne peut pas rentrer dans cette catégorie. Malgré sa précision, cette définition laisse un goût amer en bouche, et il est difficile de ne pas la trouver arbitraire. Selon cette définition, cette chose, qui fait très précisément 38 pages, n'est pas un livre. Plutôt curieux, non ? Pire, selon cette définition toujours, un manuscrit au Moyen-Âge qui était donc recopié et non imprimé ne serait donc pas un livre. Pour aller un peu plus loin, si vous écrivez un jour un livre et que vous décidez de le faire relier par vous-même pour le montrer à des amis par exemple, eh bien d'après l'UNESCO, ce n'est pas vraiment un livre, parce que vous l'avez fait dans une sphère privée. Il suffit d'une seule définition pour mesurer la difficulté que l'on a à définir ce qu'est un livre. L'UNESCO, qui n'est pas un petit organisme tout de même, a donc produit une définition qui sur de nombreux points est critiquable. Cette définition est principalement la définition commerciale du livre, un livre comme marchandise qui a la forme qu'on lui connaît tous les jours. Il vous suffit d'ouvrir l'article « Livre » sur Wikipédia pour voir combien cette définition du livre est très ancrée. Selon eux, le livre est, je cite, « un document écrit formant unité et conçu comme tel, composé de pages reliées ». Cette définition est celle du livre habituel, ce petit pavé relié, broché, collé selon les budgets, composé de pages que l'on tourne et que l'on retrouve sur les étalages des librairies. Indéniablement, cette définition du livre est beaucoup trop étroite.
En mettant l'accent sur l'idée qu'un livre se compose essentiellement de pages, elle restreint finalement le sens du livre à ce qu'on nomme un codex, c'est-à-dire cet objet-là, avec des pages que l'on tourne pour pouvoir lire. Ce terme, codex, nous fait faire un bond dans le temps pour revenir aux racines du livre moderne. Codex provient du latin caudex, qui désigne la souche, le tronc d'arbre. D'ailleurs, le mot livre désigne lui aussi à l'origine une partie de l'arbre. Liber, en latin, ça désigne la pellicule d'un arbre située entre l'écorce extérieure et le bois, c'est-à-dire le premier support de l'écriture. Mais pour revenir au terme codex, on désignait par ce terme les tablettes sur lesquelles les Romains pouvaient écrire. À l'époque des Grecs ou des Romains, ce qu'on appelait un livre n'avait pas tout à fait la même forme que ce qu'on connaît aujourd'hui. Il s'agissait en fait d'un rouleau, le plus souvent fait en papyrus, et qu'on appelait un volumen. Aux alentours du 1er siècle, à l'époque de Virgile ou d'Ovide, un livre a donc cette forme-là, un rouleau de papyrus plus ou moins long que l'on déroule pour lire. Les spécialistes du livre estiment qu'un changement de pratique de lecture, mais aussi des aspects plus techniques quant à l'approvisionnement du papyrus, pourrait expliquer l'abandon progressif du volumen pour la forme du codex. Le christianisme, qui se développe tout au long du 1er siècle après Jésus-Christ et même encore après, serait une des causes principales de cette évolution. En effet, le livre sous la forme d'un codex est beaucoup plus facile à lire et beaucoup plus facile à consulter. Le codex permet surtout la comparaison de plusieurs livres simultanément et la prise de notes pendant la lecture. Or, nous savons très bien que le christianisme est une religion fondée sur une pratique intense de l'analyse textuelle, de la comparaison entre les textes et de la comparaison des différentes parties de la Bible pour essayer d'établir clairement quel est le message de Dieu. On estime que le livre sous forme de rouleau cesse d'être majoritaire aux alentours du 5e siècle après Jésus-Christ, après des siècles d'utilisation en Occident. Adieu, petit volumen. Non, justement, pas adieu. Si je vous parle de ça, c'est qu'on aurait tort de croire que le livre sous forme de rouleau est totalement disparu. On trouve des traces de son utilisation au Moyen-Âge, et plus surprenant, encore aujourd'hui. Les pratiques religieuses juives, par exemple, n'ont jamais abandonné l'usage des volumina. La Torah est encore très souvent présentée et lue sous cette forme. Ce dernier exemple est très parlant, le livre, aujourd'hui encore, existe sous forme de volumen. Certes, il est devenu minoritaire, le codex lui ayant volé la vedette, mais cette pratique quotidienne du livre vient déjà légèrement ébranler cette image d'un livre qu'on imagine comme un objet dont on tourne les pages. Tentative d'essayer d'appréhender ce phénomène complexe qu'est le livre, nos préoccupations ont surtout été d'ordre matériel, comme la forme du livre, ses pages, etc. Là où le sujet devient passionnant, c'est lorsqu'on s'intéresse à l'autre versant du livre. Un livre, c'est plus qu'un objet matériel, c'est également son contenu, ce qu'il a à nous dire, quelque chose en sorte de plus immatériel. Il existe à ce sujet un texte de Kant très intelligent et très éclairant qui aborde précisément ce qu'on pourrait appeler la double nature du livre. Comme il le dit, nous pouvons distinguer deux choses dans un livre, ce qu'il y a de corporel en lui, le papier imprimé, et ce qu'il y a de spirituel. Cette opposition entre deux natures peut paraître un peu farfelue. Mais si vous réfléchissez à votre usage quotidien du mot livre, vous verrez qu'on confond bien ces deux aspects-là, avec d'un côté l'aspect matériel, et de l'autre un aspect plus spirituel. Si je vous dis « un livre de George Sand », est-ce que je désigne le livre, l'objet que je tiens dans mes mains, ou bien est-ce que je désigne l'œuvre de cette écrivaine ? En réalité, je désigne un peu les deux en même temps, et le langage a cette beauté, cette richesse de superposer les deux sens du mot livre. À titre de comparaison, quand on y songe, les autres arts n'ont pas vraiment ce problème-là. Pour un film, nous distinguons plus facilement le DVD, son support, de son contenu, à savoir le film. Dans la musique, c'est la même chose, cette séparation est aussi beaucoup plus nette. Si l'on prend ce CD, nous distinguons facilement le support, le CD en lui-même, de l'œuvre et son contenu. D'ailleurs, cette musique peut être gravée sur un autre support, comme par exemple une cassette ou un vinyle. Le terme livre, quant à lui, confond les deux, à savoir le support et l'œuvre. Et ce détail-là, sans aucun doute, ça nous en dit très long sur ce qu'est un livre. Cette opposition entre le livre comme support et le livre comme œuvre a eu des enjeux juridiques très importants. Lorsque Kant fait cette distinction, il s'inscrit dans un débat central pour l'époque, celui de la propriété littéraire, du droit d'auteur, des réflexions qui sont encore aujourd'hui d'une très grande actualité. Car en séparant plus nettement l'objet matériel d'un côté, à savoir le livre, et de l'autre côté son contenu, à savoir l'œuvre, il est alors plus facile de distinguer deux formes de propriété. Le lecteur, en achetant un livre, acquiert alors un droit de propriété sur l'objet livre, mais pas sur l'œuvre, son contenu, qui lui appartient à l'auteur.
Mais là où le texte de Kant devient assez fascinant, c'est qu'il explique avec beaucoup d'intuition qu'un lecteur, lorsqu'il achète un livre, ne souhaite pas que posséder la partie matérielle du livre. Le lecteur entame, effrite cette propriété de l'auteur, il aspire à posséder une partie de l'œuvre elle-même. C'est à ce moment que le livre, lu par le lecteur, est intériorisé, assimilé et devient en quelque sorte nôtre. Notre petite enquête autour de la définition du livre se précise et devient un peu plus claire. Un livre est donc un objet matériel, mais il possède aussi une partie plus immatérielle. Le Trésor de la langue française, une des plus grandes références en France autour de la langue, a justement fait ce choix de diviser la définition du livre en deux catégories, le livre comme support et le livre comme œuvre. Nous avons vu ensemble la question du support avec cette évolution du volumen au codex, mais cette évolution peut aller encore un peu plus loin en allant jusqu'au livre numérique, où là le support est sous forme électronique. Mais le mot livre a cette capacité à s'étendre encore plus. Nous sommes loin d'avoir fait le tour des réalités que ce mot peut désigner. Un des sens qui prouve la capacité du mot à s'étendre, c'est celui de recueil. Lorsque l'on parle d'un livre d'image, d'un livre de dessin, le livre désigne ici l'idée de recueil, un objet qui compile des dessins, des textes ou autre chose. Le mot peut même s'élargir encore un peu plus et désigner les institutions du livre en général. C'est le cas lorsqu'on parle du monde du livre ou lorsque l'on dit « je travaille dans le livre ». Le mot « livre » désigne alors moins l'objet que les métiers liés au livre. Les éditeurs, les imprimeurs, les libraires, les publicitaires, les graphistes, etc. De l'autre côté, dans la définition plus spirituelle du livre, nous avons vu que le mot « livre » peut désigner l'œuvre d'un auteur, comme par exemple si je dis « le livre d'Émile Zola ». Mais le mot peut même désigner son contenu, le sujet, c'est-à-dire ce dont il parle. Mais allons encore plus loin. Le terme « livre » peut désigner également la partie d'un livre, il a alors un sens proche de celui de « chapitre ». L'auteur latin Martial a justement écrit un ouvrage dont les chapitres sont appelés des livres. À son époque, il était habituel qu'un livre, un chapitre, corresponde grosso modo à un volumen. C'était une manière d'organiser le livre, mais aussi d'éviter que le volumen soit trop gros ou trop long. Mais dans ce sens-là, le mot livre désigne bien un chapitre, et si on veut s'amuser un peu, on peut même dire qu'un livre est composé de livres. Il existe un exemple passionnant à mes yeux de l'usage du mot livre pour désigner un chapitre ou une partie de quelque chose de plus vaste. Songez à la série Kaamelott. Tout naturellement, les saisons sont appelées des livres. Les coffrets DVD d'ailleurs reproduisent cette apparence du livre pour désigner une saison. Ce petit exemple est bien plus fascinant qu'il n'y paraît, et pour une raison assez simple, c'est que ça ne choque personne qu'on appelle une saison un livre, et pourtant cette association ne va pas forcément de soi, et on a pu voir combien le mot livre était un mot particulier. Mais ce concept de livre nous est tellement familier que nous sommes capables de comprendre instantanément ce à quoi il renvoie, peu importe le contexte. Dans tous ces usages du terme « livre », on peut tout de même voir une constante, ce qu'on désigne comme étant un livre. C'est ce qui forme une unité. Un livre forme un tout. Lorsqu'on emploie le mot « livre » pour désigner un chapitre, c'est parce qu'un chapitre est bien cette portion de texte qui a sa cohérence. Lorsque le terme désigne une saison, c'est exactement la même chose. Vous savez comme moi qu'une saison, ça forme un tout, avec une ambiance, une esthétique générale et même un arc narratif. Et bien sûr, lorsque le livre désigne bel et bien ce qu'on appelle un livre, comme un roman par exemple, on imagine bien un objet ayant sa cohérence avec un début et une fin. Je suis intimement convaincu que ce sentiment d'unité, à toutes les échelles, est responsable en grande partie de la puissance symbolique que possède le livre dans notre société et la fascination que l'on peut avoir pour lui. Un livre donne un sentiment de stabilité, de cohérence, de poids, qui nous pousse à en ouvrir les portes pour y dénicher cette unité qui nous fait peut-être défaut en tant qu'être humain. C'est sensiblement ce que dit Albert Camus dans L'Homme révolté. Pour reprendre ses mots, le livre c'est un peu un objet qui propose une unité satisfaisante pour l'esprit et le cœur. Les éditeurs sont parfaitement conscients de cette force symbolique du livre. Vous n'avez jamais remarqué que certains livres sont parfois vendus avec un papier assez épais ? Ils ne font que 250 pages mais donnent l'illusion d'en faire 500. Outre le fait que cette technique permette de donner au lecteur l'impression d'acheter un objet qui vaut bien ses 20 ou 30 euros, ce poids, cette épaisseur, joue sur l'imaginaire du livre. Plus il est gros, plus son importance et son autorité augmentent, parfois artificiellement, dans le cas de livres qui ne contiennent rien et qui pèsent pourtant le poids d'un pavé. Ce qui est lourd a plus d'autorité, selon un adage que les Romains ne renieraient pas avec leur temple ou avec nos palais de justice imposants censés représenter l'autorité de la loi.
Ce détail nous renseigne sur le fait qu'un livre est plus qu'un objet matériel ou encore l'œuvre d'un auteur. C'est un objet sur lequel on projette des valeurs, un sens, parfois moral ou religieux. Nous parlions du poids des livres. Précisément, les livres sacrés sont souvent massifs, à l'image de la Torah juive, aux dimensions parfois gigantesques. L'autorité du dogme est ainsi renforcée par les dimensions de l'ouvrage. À propos des livres religieux, il n'est pas nécessaire qu'ils soient lourds ou pesants, ça peut être aussi l'exact inverse. De nombreux livres religieux sont en effet très petits, miniaturisés. Cela affecte-t-il la puissance symbolique du livre, son autorité ? En réalité, pas vraiment. Que le livre soit massif ou miniature, une même aura, une même puissance peut lui être associée. Ce qu'on admire, c'est sa capacité à concentrer un message vaste et un savoir complexe. Faire un livre minuscule, chargé jusqu'à la gueule, c'est avoir ce rêve de la quintessence, celui de réduire une chose vaste à un objet très concentré comme un sirop. La Pléiade, cette collection qui met parfois en un livre toute l'œuvre d'un auteur classique, joue beaucoup sur cet imaginaire. Elle semble réaliser ce dont parlait Albert Robida, un auteur et illustrateur de la fin du 19e siècle, qui s'amusait à imaginer toute l'œuvre de Victor Hugo dans un flacon. Qu'il soit massif ou petit, peu importe la taille, le livre possède alors cette puissance de concentration, foyer d'une rêverie qui se déploie démesurément. Si l'on attribue au livre la capacité à concentrer et à se fermer sur lui-même, on lui attribue par extension la qualité d'être le gardien de la connaissance et du savoir. Dans l'imaginaire commun, le livre, c'est le savoir par définition, et ce savoir, on l'imagine d'autant plus important si on sait que le livre est lourd et imposant. L'expression « n'avoir jamais mis le nez dans un livre » en dit très long sur l'image qu'on se fait du livre. Ne pas lire, c'est passer pour un inculte, pour celui qui en connaît peu sur le monde. Nous percevons le livre comme une sorte de dépositaire du savoir, un réceptacle, un flacon, qui une fois ouvert, élèverait notre âme, et nous rendrait plus grands et plus intelligents. Plusieurs jeux vidéo représentent à merveille cette idée. Dans Skyrim, par exemple, ouvrir un livre, c'est gagner en expérience, c'est faire progresser son personnage. Cela peut sembler un détail à première vue, mais cette simple montée en niveau lors de l'ouverture d'un livre, qui est d'ailleurs une constante dans toute l'histoire du jeu vidéo, nous renseigne parfaitement sur cette représentation que l'on se fait du livre. Un objet qui déverse en nous du savoir, nous remplit, nous rend meilleurs et plus grands. Le livre, passeur de connaissances, mais également conservateur de ces mêmes connaissances, en permettant leur sauvegarde et leur préservation. Nous rejoignons ici la définition ancestrale de l'écriture, remontant aux racines anthropologiques de son apparition, la conservation des idées, des textes, des informations ou des connaissances. Nous associons au livre cette capacité à conserver, et la bibliothèque, lieu de préservation du livre, devient l'endroit privilégié de cette conservation. Un autre jeu vidéo témoigne bien de l'imprégnation dans notre imaginaire de cette valeur qu'on associe au livre, à savoir celle de sauvegarder et de conserver. Dans le jeu Harry Potter sur PC, nous sommes invités à sauvegarder notre progression dans un livre, et c'est la même chose dans le jeu Tomb Raider, avec une sorte de petit carnet, de petit livre. Je suis pas sûr que vous êtes déjà posé cette question-là, parce qu'en fait, c'est extrêmement naturel de se dire qu'un livre permet de sauvegarder. En tout cas, ce jeu-là, il le montre bien. Moi-même, je ne m'étais jamais fait la réflexion, mais en faisant le bilan de toutes ces idées, il est tout de même assez singulier qu'une même réalité, un même objet, le livre, désigne trois idées bien distinctes. Une saison dans Kaamelott, le fait de monter en niveau dans Skyrim, le fait de sauvegarder dans Harry Potter. Un seul mot et pourtant trois valeurs bien différentes associées au livre, à savoir l'idée de chapitre, le fait de progresser et le fait de sauvegarder. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que lorsqu'on utilise un seul de ces sens, on utilise rarement les autres. C'est-à-dire que soit on utilise le mot livre pour désigner un chapitre, soit on utilise le concept pour désigner le fait de sauvegarder ou le fait de progresser, et on utilise rarement les trois en même temps. Il y a comme une sélection qui s'opère à l'intérieur des différents sens du concept. Et le plus fascinant à mes yeux, c'est de se dire que ces choses-là, on les comprend sans même y réfléchir. Les signes sont instantanément compréhensibles pour nous, ce qui vous laisse imaginer combien le concept de livre et toutes les valeurs qu'on lui associe sont profondément ancrées dans notre culture occidentale. Je ne vois pas comment mieux achever cette vidéo que de cette manière-là, en attirant l'attention sur l'incroyable variété du mot « livre ». Ce mot peut désigner l'ouvrage matériel, le support, qu'il soit Wolumen ou Codex, mais aussi le monde du livre, l'œuvre de l'auteur, un chapitre, une saison, l'objet qui conserve notre savoir, qui nous fait grandir, etc., etc. Je ne peux pas m'empêcher d'être frappé, malgré cette richesse évidente, de l'extrême familiarité avec laquelle nous sommes capables de reconnaître ce qu'est un livre et toutes les déclinaisons de son sens. Au point parfois d'avoir l'impression de dire des banalités dans cette vidéo, tant il paraît évident par exemple qu'un livre représente le savoir. Comme si décrire ce qu'est un livre ne fait que poser des mots sur un objet qui n'a pas besoin d'être expliqué pour être compris. Force est de constater, pourtant, qu'il ne va pas de soi qu'un mot comme livre désigne des choses aussi variées.
Le livre, cet objet à la fois familier et insaisissable, fuyant comme une ombre, et pourtant si proche et si intime.